got no haters, you ain't poppin'. If you ain't got no haters, you ain't poppin', nigga. If you ain't got no haters, you ain't poppin'. You ain't poppin'. Hey, shawty. You know it's J-Law, right? From the Benno. Yeah. I came out from the band, dog. I came out where they sell, dog. My niggas in the slums now. So we had to put them guns down, yo. I could never put my guard down. Remember selling dope and hard pounds. I got these niggas' hearts now. Coppers tryna take my family apart now, yo. I came out from the band, y'all. I put that on my mama. Ayy, niggas see me through the nosebleed. Why they acting like they know me? They don't really know me. What's up YouTube, c'est ton gars Koji. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir, je n'ai pas upload ce week-end. Et je pense que dorénavant, je ne mettrai plus de vidéos ni le samedi, ni le dimanche. Parce que, en fait, j'ai besoin de ces deux jours-là pour me creuser la tête et trouver des idées de vidéos. Parce qu'à ce stade de l'année, Touquet est mort. Donc, ça devient de plus en plus dur à trouver des vidéos à faire, en fait. Ça devient de plus en plus dur. Du coup, voilà, je uploaderai bien sûr quasiment tous les jours la semaine. Mais le week-end, je mettrai plus de vidéos. Ce sera ces deux jours-là où il faudra que je réfléchisse aux vidéos de la semaine, d'accord? Maintenant. On va passer à la vidéo, ce sera la dernière je pense. Je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois là, mais je pense que cette fois-ci ce sera vraiment vrai. Ce sera la dernière vidéo sur le shoot, ok? C'est la dernière vidéo où je vous présente un shoot. Et je pense que ce shoot-là, en fait, ça va être tout simplement le meilleur de tous. Le plus simple, mais l'un des meilleurs en fait, l'un des meilleurs clairement. Alors, avant que je vous présente ça, mettez-moi un like, ok? Mettez-moi un like, j'aimerais bien qu'on atteigne 500 likes sur cette vidéo pour... deux raisons. La première raison, c'est parce que, franchement, soyez honnête, je vous ai présenté des bons shoots toute l'année, ok? Toute l'année, 2K17, je vous ai présenté des bons shoots, que ce soit custom, non custom. Donc, rien que pour ça, vous devez mettre un like. La deuxième raison pour mettre le like, c'est que, bah, en fait, c'est la dernière vidéo sur le shoot. Du coup, pour finir en beauté sur les vidéos de shoot, il faut mettre le dernier like. 500 likes, franchement, je serais très, très content. Maintenant, on va passer au shoot. Vous l'avez vu dans l'intro, je vous ai mis un clip, enfin des clips avec mon meneur et avec mon pivot. Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce shoot et comment je suis arrivé à mettre ce shoot en fait. Alors en fait, c'est que je voulais utiliser mon pivot écarteur de jeu, ok? Et donc ça faisait très très longtemps que j'avais pu utiliser mon pivot écarteur de jeu sur l'autre compte, ok? Sur mon compte SB Koji. Et donc du coup, quand je suis allé dessus... je suis allé avec mon écarteur et donc c'était dans l'optique de shooter au parc à 3 points, ok? Et donc il me fallait donc un shoot. Et donc j'ai mis High School 1 parce que vous savez que normalement avec mon tireur d'élite, avec ce joueur là, j'utilise High School 1. Mais le problème c'est quoi? C'est que je pense que vous le savez tous, mais je vous le dis quand même. Imaginons que vous avez High School 1 avec votre pivot et vous avez High School 1 avec votre meneur. Le shoot avec votre pivot sera plus lent, on va dire, il sera plus, tu devras appuyer carré plus longtemps qu'avec ton meneur. C'est parce que ton joueur il est plus grand, d'accord? Plus ton joueur est grand, plus ton shoot il est lent, ça change le timing, d'accord? Je pense que vous le savez à peu près tous. Donc du coup, quand j'ai mis High School 1 avec mon tireur, enfin avec mon écarteur de jeu, pivot écarteur de jeu, le shoot il était beaucoup trop lent en fait. High School 1 était beaucoup trop lent, ok? Je pouvais pas. Du coup, j'ai cherché, ok? J'ai cherché un shoot que je pouvais mettre. Et je suis arrivé à, en fait, tout simplement essayer le shoot le plus basique, le mythe, la Marcus Aldridge. Okay, la Marcus Aldridge, le shoot que tu peux trouver par défaut sans créateur de tir, enfin sans le créateur de tir, la création pour faire ton tir perso. Le shoot normal, la Marcus Aldridge. Franchement, avec le pivot, mais ça passe tellement bien parce qu'en fait, il peut être rapide avec le meneur là que j'ai là, il est assez rapide, hein. Franchement, je vais pas le mentir. Si vous n'avez pas les shoots rapides, c'est pas tellement un shoot pour vous. Mais comme j'ai dit, avec le pivot, en fait, c'est pas si rapide que ça, en fait. Ça, franchement, ça va parfaitement bien. Donc du coup,
Je l'ai essayé avec mon pivot et après, en fait, quand je suis retourné sur ce compte, je l'ai aussi équipé avec mon tireur d'élite. Et franchement, le shoot, il est money, ok? Il est money. Après, dans le, vous voyez, là, dans mon terrain, je fais parfois des blancs. Mais dans le terrain, encore, vous avez tout, on fait tout le temps des blancs. Je sais pas pourquoi, hein. Mon terrain, je fais souvent des blancs. Bref, c'est pas grave. En tout cas, vous avez vu ce que ça donne au parc. C'est vraiment mortel. Donc, du coup, ce que je vais vous demander, c'est essayez-le, ok? Essayez-le et comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que la plupart des gens, vous le connaissez, ok? Vous le connaissez. Et voilà. Après, si vous n'aimez pas en fait la rapidité du shoot, vous pouvez le faire. Vous allez dans le créateur de tir si vous avez le tir. Si vous pouvez créer votre tir là dans les options là. Moi je ne l'ai pas sur ce compte, mais si vous pouvez le faire, vous mettez la Marcus Aldridge partout et vous descendez la vitesse. Ok, ça c'est une technique que vous pouvez faire. Si vous trouvez qu'il est trop rapide, vous descendez la vitesse, vous le mettez à, je sais pas moi, 75 ou 50. Ok. Et franchement, ce shoot là, là c'est la vitesse maximum. Hein, c'est la vitesse maximum. Moi j'aime bien les timings rapides, du coup moi ça me dérange pas. Et franchement ce shoot tu peux tirer du... Si t'es un tireur d'élite tu peux tirer du milieu de terrain mais sans problème. Hein. Sans problème, donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, c'était la dernière vidéo de shoot. Donc comme j'ai dit, mettez-moi un gros like les gars pour vous avoir présenté des gros shoots toute l'année. Toute l'année, pardon, est-ce que je parle français? Voilà, c'était Tonga Koji, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dans 2 jours ça fera 1 an que la chaîne elle existe, merci de tout votre soutien. C'était Tonga Koji, passez une bonne journée, une bonne soirée. Peace. I don't even dream no more. Yeah, yeah. I don't even go to sleep no more. No, no.